Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Éric Simon. Vigiciel est un programme de recherche participatif qui est animé par des chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturelle, de l'Observatoire de Paris et des universités de Paris-Sud et de Grenoble. Il propose à tout un chacun de participer à son niveau à la recherche scientifique sur les petits corps du système solaire que sont les astéroïdes, en se penchant sur leurs variantes qui parviennent jusqu'au sol de la Terre et qu'on appelle les météorites. Depuis le début du XXe siècle, le nombre de météorites retrouvés en France a chuté drastiquement, alors que le nombre de cailloux extraterrestres qui nous tombent dessus est resté le même. Cela est dû notamment à la disparition d'une grande part de la paysannerie et à la désertification rurale. Aujourd'hui, on retrouve environ une météorite tous les 10 ans seulement. L'objectif du programme Vigiciel est de remonter ce taux à une par an. Grâce à vous, volontaires pour participer à des battues suite à l'identification de météores significatifs. Le programme Vigiciel est intimement lié à un grand réseau de surveillance du ciel nommé FRIPON, Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network, qui a installé une centaine de caméras grand champ de type fisheye aux six coins de l'hexagone pour identifier des chutes de météorites et estimer au mieux leur point d'impact et leur direction d'origine. En rejoignant Vigiciel, vous pourrez participer à une aventure scientifique et humaine où se côtoient curieux, amateurs et chercheurs. Vigiciel vous propose non seulement de participer à la recherche de météorites sur le terrain, mais aussi d'apporter plus simplement votre témoignage si vous avez observé un bolide dans le ciel. Vous aurez alors dans ce cas simplement l'action simple à faire de remplir un formulaire interactif décrivant votre observation. Mais ce n'est pas tout. Vous pourrez également filmer le ciel avec votre propre caméra et envoyer vos images au réseau si vous avez observé des météores importants, ce qui permettra de mieux calculer la trajectoire de la potentielle météorite pour déterminer à la fois son origine astrophysique et son point d'impact dans l'objectif de la récupérer pour l'étudier. Pour participer à la recherche des météorites sur le terrain, vous devrez vous inscrire sur le site de Vigiciel pour devenir un relais ou un animateur local. Lorsque FRIPON détecte des chutes potentielles de météorites, Vigiciel contacte les relais locaux les plus proches pour coordonner avec eux les recherches, mais Vigiciel manque encore d'animateurs et de personnes formées pouvant être mobilisées, alors n'hésitez pas! Les météorites peuvent bien sûr tomber dans toutes les régions indifféremment. En vous inscrivant sur le site de Vigiciel, vous pourrez suivre l'avancement du programme, être informé rapidement en cas de chute près de chez vous, et suivre des formations. Aucun prérequis n'est demandé, bien sûr. Deux recherches sur le terrain ont déjà été effectuées en avril 2017, près de Roanne, et en juin 2017, près de Chambord, sans succès, hélas. Si vous n'avez pas envie de parcourir les champs à la recherche de cailloux venus d'ailleurs, ou que vous n'avez pas de matériel pour filmer le ciel, Vigiciel vous propose une dernière mission, plus sédentaire. Vous pourrez aider à la recherche de cratères d'impact sur la surface de la Terre qui n'auraient pas encore été découverts. Cette action est fondée sur l'exploitation d'images satellitaires. On estime que la majorité des cratères de surface de plus de 6 km de diamètre ont été découverts, mais des dizaines entre 1 et 6 km, et probablement des centaines de taille inférieure à 1 km, restent à découvrir. À l'aide d'un logiciel de cartographie comme Google Earth, de nouveaux cratères peuvent être identifiés et apporter des informations très intéressantes pour les spécialistes. Vous retrouvez toutes ces informations sur Vigiciel, donc sur le site officiel de Vigiciel qui est le www.vigi-ciel.org et des informations sur le réseau FRIPON si vous le souhaitez, donc le https://fripon.org.
Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, donc à la recherche de traces de météorites, pourquoi pas. Et donc, restez bien les pieds sur Terre pour les trouver, bien sûr. Allez, salut!